l'image qu'on donne aujourd'hui, c'est l'image de toute la communauté de Johnny Hallyday. C'est un hommage à lui qu'on fait ça aujourd'hui. Donc il faut avoir un comportement respectable. Aujourd'hui, on est à Tarbes. On est avec 200 bikers qui vont rouler jusqu'à Lourdes pour en mémoire de Johnny. Johnny aurait eu 77 ans le 15 juin. Et donc voilà, tous ces fans de Johnny vont rouler jusqu'à la basilique de Lourdes où il y aura une messe pour Johnny. Voilà, on va rouler avec eux en Harley. On m'a prêté une Harley, le patron de ce grand rassemblement. A tout à l'heure. Il y a à peu près 170 motos, les trikes, et il y a pas loin de 200 personnes, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en duo sur les motos. On va faire une halte en haut du Tourmalet, on descend à Lourdes pour un déjeuner champêtre et des plateaux repas que j'ai organisés, mais des plateaux repas dignes de Johnny, c'était pas question d'avoir du jambon beurre. Et ensuite, à 15h30, on a une messe entièrement dédiée à Johnny, à sa famille et aux bikers. Bon Pierre, on est presque arrivé à Lourdes, à la fin du road trip. J'imagine que Johnny serait heureux d'être avec nous aujourd'hui. Ah là, c'est le genre de road trip qu'il aurait adoré faire. 200 motos, il n'a jamais roulé avec 200 motos. Ouais. On a toujours roulé à 5, 6, 7, 8 au maximum. Mais celui-là a été vraiment fort. Les décors sont absolument hallucinants. Tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on a eu le rayon de soleil quand il fallait l'avoir. Personne n'a eu de problème avec les motos ni quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé, c'est merveilleusement organisé. Johnny aurait été très content. Mais de toute façon, quelque part, il est avec nous. Hein, parce que si tous ces gens-là sont là, c'est parce qu'il a été là. Et c'est parce qu'il leur a laissé cette espèce de fougue de se retrouver tous ensemble et de faire ses voyages en pensant à lui, en pensant qu'il n'est pas loin d'être avec nous. Hier soir, c'était formidable. On a chanté, on a ri. Là, on a fait un vrai voyage moto, un vrai road trip comme il aimait. Et puis tout à l'heure, on va faire une petite prière en pensant à lui. Et ça va être très, très bien. Voilà. Pour toi, c'était obligatoire d'être avec lui aujourd'hui. Ah oui. C'était compliqué pour moi vis-à-vis du taf, mais enfin oui, bien sûr, je devais être là. Puis après, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Sinon, l'autre là-haut, il me tirerait les pieds dans la nuit, tu vois, ce serait pas possible. Voilà, nous sommes devant la basilique Notre-Dame de Lourdes. Se finit notre périple de 140 km aujourd'hui pour Johnny, et nous sommes avec Christian Gilles, qui est chanteur. Ah, c'était vraiment très émouvant, et puis je suis vraiment étonné parce que le prêtre est moderne, il est jeune, il est moderne, et je trouve que ça rapproche de Dieu, quoi. Et pourtant, je suis agnostique, mais j'ai été très, très, très ému, parce que, évidemment, on est toujours très touché, toujours dans la douleur, dans la peine, la disparition de Johnny. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose, il y a des tas de choses, des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions tenées en tonne-moi, donne-moi ton corps.